Salam les juste avant de proposer la vidéo, je tenais quand même passer un remerciement aux élèves du collège Les Plaisances. Là où j'ai été bien sûr, j'ai fait ma scolarité là-bas. Mais ça a pas bien duré longtemps. Hein. J'ai fait la 6ème, après j'ai fait la SECPA. Non, la 5ème, pardon. Pas la SECPA, ça compte pas. 5ème, la 4ème. Après on les m'ont dit, bon, pensez à votre avenir, monsieur Daouki, là, ça commence à faire beaucoup là. Non, ça, merci à vous. Et si je peux me permettre de vous dire quelque chose, on entend moi votre grande gueule. Hein. Vous avez vu comment il a donné cette feuille là? Pour votre voyage. Hein? Dehors. Ah, ta gueule! Et quand c'est devant le marché, devant moi. Tiens, Zekiri, c'est pour toi. C'est pour acheter nos gâteaux pour notre voyage au collège. Hein? Entends-moi, votre grande gueule! Non, ça. Et merci aussi à la prof de français. Et puis, merci à tous. Et merci de m'avoir fait découvrir ces gâteaux que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Et puis voilà, changez rien. Et puis voilà, j'espère que vous allez dépasser cette somme-là. En tout cas, moi, la semaine prochaine, je serai là. Je serai, dimanche prochain, je serai chez Mar. Bah, avec vous, histoire de vous tenir compagnie. Une sorte de tout bouffer surtout, non je rigole, et puis voilà, encore merci pour vous tout, merci pour votre gentillesse, et puis merci aux élèves, merci aux gens qui m'ont reconnu, les élèves ça fait trop, tu sais, enfant de maternelle, merci aux élèves, non, merci aux gens qui m'ont reconnu, et puis voilà, et sur ce les frais, je vous laisse, tchao bye. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très particulière parce que aujourd'hui j'ai reçu ça. Donc je vous lis un peu. Vente de gâteaux, les dimanches 11 et 18 décembre au marché de Mantes-la-Ville pour les élèves du collège des Plaisances. Afin d'alléger le coût des voyages scolaires. Bon, je pense que vous l'avez tous compris, d'accord. Alors, un message à toutes les personnes qui sont au collège des Plaisances. Vous, maintenant, on vous dit, ouais, c'est les collèges Les Plaisances. Moi, à l'époque, j'étais au collège Les Plaisances. Ma prof, c'était qui? Enfin, non, la conseillère, c'était qui? Demandez Monsieur Ragusia. Monsieur Ragusia et Madame Arsalex, la conseillère. Oh là là. Oh, le nombre de fois, je te convoquais au bureau, ça, non, je ne les compte même plus. Et nous, à l'époque, on nous appelait pas Zama, on disait pas les collèges Les Plaisances. Voilà, vous, on vous dit collège Les Plaisances, mais nous, on ne m'appelait pas comme ça. Nous, on nous appelait les collèges des BLE. Que des trucs. T'imagines, on tapait des pénalties en classe. Wallah, c'est un truc de ouf. Bref, et donc aujourd'hui, j'étais au marché et j'étais interpellé carrément par une prof, par des élèves, et qui m'ont... Alors comme ça, la prof, alors comme ça, on fait des dégustations. Oui madame, tiens, prends les gâteaux, tu vas en faire une sur ta chaîne, en ferme ta gueule. Non, je rigole, elle a pas dit ça, non, attention, parce qu'elle va avoir des emmerdes, non. Alors, donc, ouais, je me suis dit, déjà, pourquoi pas faire un petit geste. Donc, c'est tous les dimanches, il y a une vente de gâteaux pour les élèves, M'sakine, pour un voyage. C'est en Espagne et en Allemagne, je crois. Enfin bref, c'est pour alléger le coût des voyages, etc. Et puis, moi, de mon côté, j'ai acheté des gâteaux, d'ailleurs, je vais vous faire montrer tout de suite. J'en ai acheté deux. J'ai acheté... Oh, il y en a trois! Alors, il y a un gâteau au chocolat. Oh, ça me donne faim, putain. Un truc aux pommes et un gâteau au café. La putain de sa mère. Eh ben ça, mon gars. Moi, je vous le dis concrètement, madame la prof de français. Imaginons que je m'étouffe. On est d'accord qu'il y a des dommages et intérêts. On soit bien d'accord. Non, ça, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Si c'est bon, c'est, je vous le dis. Si c'est pas bon, bah, je vais vous le dire aussi. En tout cas, je sais pas qui c'est qui a fait les gâteaux, mais ça donne hyper faim. On se retrouve dans quelques instants pour la dégustation, les frères. A de suite. Les frères, juste avant de commencer la dégustation, imaginez demain, t'as une personne, un youtubeur en recherche de buzz, t'as une personne qui fait une analyse sur moi. T'imagines une analyse pour voir vraiment si c'est vrai ou pas, t'imagines. Alors, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va analyser... le cas de Zekiri, alors on va vraiment savoir si ces gâteaux les a vraiment achetés au marché ou pas. Alors je me suis renseigné, tu sais, le mec il met. Oh là là, mais oh là, rigolez pas, il y a des gens. Oh là, t'as des gens, mon frère. Ça se voit qu'il vient de sortir de Heps, oh là, c'est un truc. Bref, l'affiche qui est là, vous avez vu, hein. Il n'y a aucune faute d'orthographe, c'est impossible. T'imagines, c'est impossible que ce soit moi, c'est impossible. Non, donc la petite affiche. Donc c'est au marché de Mantes, tous les dimanches, devant le Carrefour Contact. Vous connaissez le Carrefour Contact à Mantes-la-Ville? Il y a un schéma, M'sakine, il y a des élèves qui vendent des gâteaux. Et je connais parce que. J'en service parce que je connais, parce que je suis passé par là, mon sétier. On a fait des voyages scolaires en Syrie, tout ça. Non, je rigole, c'est pas vrai, tu sais, je rigole. Ouais, c'est parti. On commence par le gâteau aux pommes.
C'est un gâteau aux pommes. Eh putain, si c'est pourri, la tête d'homme, je vous incendie. T'imagines, ils ont choisi des gâteaux ex exprès pour moi, pour m'empoisonner. C'est. Non, choisis ceux-là, ils sont empoisonnés. Non, t'imagines? C'est parti, on autre, let's go. Bon. Au pire, je vais le couper au montage. C'est super bon! Non, je laisse, pas vrai. C'est trop bon. On ressent le goût de la pomme. Pomme, apple. On dit ça comme ça, hein? Apple, pomme. Oui, la pomme d'apple. Sans blague. Ouais, c'est parti. Il y a un goût de vanille. Il y a un goût de vanille. Goût de pomme. Un peu goût de cramé aussi. Ça, je demanderai un remboursement quand je reviendrai chez vous. D'accord? Non, ça, super bon. Ah, je vais en prendre des calories. Alors là. Alors là. C'est parti. Un, deux, trois, let's go. Ce chocolat fondant. Bah, il part de gâteau. Super bon, je kiffe ma race. Je sais pas qui c'est qui a fait ce gâteau, mais il pète sa race. C'est moelleux, c'est fondant, qu'on a en bouche. C'est bon, c'est vraiment super bon. Non, ça, faut pas. Pas bien de manger à main gauche. Non, vraiment, 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 c'est super bon. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien, madame la prof de français. Au passage, madame, il y a tous les élèves. Demandez auprès de moi, auprès des professeurs. Bonjour, vous connaissez monsieur Jaoued Vous travaillez bien à l'école? Demandez si je travaillais bien à l'école, juste ça. Est-ce que... Non, même pas, même c'est quoi? On oublie de travailler bien à l'école. Est-ce qu'ils se comportaient bien en classe? Oh. Et vous aurez... Et ils vont vous répondre, même les prisonniers, t'sais, même les mecs qui sont en prison se comportent mieux que lui. T'imagines? Ouais, c'est parti. Mais c'est un goût de café. Ah bah oui, c'est logique. Je dis, c'est un goût de café. Bah oui, c'est un gâteau au café. Ah oui, merde, je ne l'ai pas fait montrer. C'est un gâteau au café. C'est super bon. En tout cas, les frères, je vous remercie pour votre gentillesse. Merci de m'avoir reconnu. Merci de venir d'être venu vers moi. Merci à vous, la prof de français. Merci pour votre gentillesse. Si je peux me permettre de vous dire quelque chose, ne changez rien. Continuez à aller comme ça vers les gens, etc., de leur dire bonjour, etc. Ça se voit que vous êtes vraiment une personne de bien vivante. Et des personnes comme vous, il en faut beaucoup dans le monde. Et je vous souhaite vraiment plein, plein de bonnes choses pour l'avenir. Ben, en ce qui concerne les élèves, enfin, les. Excusez-moi. En ce qui concerne les gens qui me connaissent, pardon, excusez-moi. Ben, merci aussi à vous. Merci d'être venu à moi. Merci d'avoir baissé la tête. Hein, entends-moi, vos grandes gueules, que vous êtes devant moi. Hein. Tiens. Ils m'ont fait comme ça. Tiens, c'est Kiri, c'est pour toi. Ah, c'est que non, là, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Non, merci à tous et puis voilà. Allez, sur les frayeurs, comme ça, comme ça. Ici, bien. Thank you.